Salut à tous, ici Silver et je vais me rendre compte que mon micro n'est pas au bon endroit, ça fait plaisir. Donc on m'entendrait certainement mieux comme ceci, hein, si mon micro pouvait se passer tout seul. Ça s'appelle un fail de départ. C'est pas grave. Bienvenue à cette 14e partie du playflow de Mario du Superstar Saga. Donc comme vous avez pu voir, la partie 13 a été morcelée en deux. Donc c'est vrai que ça a un peu perturbé le... la diffusion des vidéos. Alors pour cette vidéo là, enfin vous le verrez bien hein, le jour où elle sera postée hein, vous verrez bien si je l'ai posté le même week-end que les parties 13A, 13B ou le week-end suivant, parce que c'est vrai que j'avais pas tellement prévu, j'ai fait une partie beaucoup trop longue. Donc alors à la moins que je fasse une partie plus courte dans ce cas là mais bon, d'après un ami, j'ai pas mal de trucs qui m'attend concernant la suite du scénario, la vallée I, etc. Bon, on va y aller tout de suite. Alors, dans l'épisode précédent, donc je m'étais un petit peu paumé de partout. Donc on va essayer cette fois de pas faire trop de merde. Bon, alors, attends, faut que j'aille où? Alors, la vallée est là-bas. Alors moi aussi dit qu'il fallait que je... Enfin, je sais pas du tout, parce que c'est d'après la... comment ça s'appelle le... Après l'avis d'un ami... j'aurais un truc sympa à faire dans le... à l'est du château. Alors un truc activé, alors je sais pas du tout si je l'active... Je me souviens plus, parce que j'ai quand même tourné la partie 13 il y a une semaine, donc... Je trouve en fait que je suis déjà allé 15 fois et je m'en suis même pas rendu compte. Bah bon, je vais quand même voir si jamais je me faisais pas attaquer par le premier, la connard venue. Eh merde, je vais me rendre compte que j'ai pas lancé mon chrono, tu m'étonnes, après je fasse des parties trop longues. Bon allez, je vais m'arrêter à 35 cette fois. Ah c'est clair, je ferai pas une vidéo de 40 minutes grand maximum. Quitte à couper la vidéo en plein milieu, je tournerai la partie 14 derrière, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien savoir où à l'est exactement. Parce que ça se trouve c'est déjà un truc que j'ai déjà activé. D'avance. Ah, je suis plus, on m'a dit l'est ou l'ouest. J'ai un doute là. Enfin bref, on s'en fiche, on va avancer un petit peu en histoire. Oh mais casse-toi toi. Alors, oui, donc il fallait que j'aille. Super marteau, donc je vais aller voir les frères marteau. Enfin les frères, je sais pas comment ils s'appellent. Mais... pour avoir, voilà, tenter d'avoir un meilleur marteau, je pense que ce sera ceux qui mettront sûrement le plus. Alors par contre, il va falloir que je... c'est pas ça. Et ceci c'est... un truc où seul petit Mario peut aller. Alors... what the fromage? Ah, un petit peu de plateforme, ça fait plaisir. Oh les enfants. Oh les enfants. Oh là là. De la plateforme à la sienne, comme on aime bien. Je te dis, mais excitation, on va survivre. J'ai fait tout ça pour ça? Attends, j'ai loupé un truc là. Allez, encore. Un badge au end.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, end. Booste la puissance une fois par combat. Ouais, mais là, je perds beaucoup au niveau des... Ouais, faut boire. Bon, bah... Cette grotte n'avait entre aucune, strictement aucune utilité, mais... Bon, évidemment. Donc, je disais les frères Trucmuche. Alors, les frères Trucmuche. Ah, oups. Bon, bon, moi, je pourrais me débarrasser de ce salaud, là, tiens. Qui me l'a brisé menu. Groupe. On va se faire un ennemi. Un truc mûche. Oh la fuckerie, on va pas d'être. Oh là là. Allez, au revoir. Ah merde. J'ai encore oublié de mettre un coup de Skype. Voilà. Alors, les frères Trucmuche. C'est le fameux pote qui m'avait défoncé mon premier game over. Comme quoi on se souvient pas que... Ah, donc ça je l'ai activé. J'avais beaucoup tourné. Donc... Est-ce que j'en ai un qui m'aime? Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un qui m'amène là où je veux? Passons par le plateau Stella, peut-être. Thunder. J'ai oublié ça. Je vais prendre des raccourcis, alors c'était pas forcément mieux raccourci, mais... Il y a des trucs que j'avais loupé la dernière fois. Maintenant, comme j'ai un petit peu plus de... puissance, je vais pouvoir les abattre plus softement. Alors, je m'excuse encore à ceux qui trouvent que je fais un peu trop de visite, mais bon, voilà, c'est... C'est... Faut faire tout, hein. Non, là, c'est le truc qui fait... Truc mouche. Alors, les frères Trucmuche, je les habitais où déjà? Ah, bah déjà, on peut faire ce que j'ai pas pu faire la dernière fois, etc. Ah, putain, loupé. Alors, frères Trucmuche. On va déjà me paumer, parce que c'est pas bon signe. Non. Ça se trouve, en fait, il faut pas du tout aller les voir, mais bon, moi, personnellement, je vois que ça comme possibilité. Alors, est-ce que c'est ça? Non, ça n'a pas l'air d'être... Si, c'est ça. Non, non, c'est pas eux. Ce n'est pas eux. Faut bien se faire les 30 secondes, là. De toute façon, si jamais je mets trop de temps à explorer, bon, je retournerai cette partie, faut pas déconner. Chemin Valentine, Ufu. Alors, les frères Trucmuche. Bah d'ailleurs, s'ils sont même pas là où je veux,
On va lire. On va descendre. Bon, bon bah, je fais tout ce trajet pour rien. Ça fait plaisir. Je pense que je vais devoir me résoudre à aller regarder la solution. Oh, c'est pas bien, je sais. Peut-être recommencer carrément parce que là j'ai perdu mon temps pour pas grand chose. Ouais. C'est par là, oui, je crois. Bon, si je dois pas aller voir les frères Trucmus, je dois aller voir qui? Retourne au château. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur marteau? Et bon, je sais, je pourrais fuir, mais vu le code d'XP que ça me donne. Pourquoi il pousse ça? Bon. Évidemment, il y en a 15 quand on touche 1. Putain. Putain, mais attaquez pas tous, sérieusement. Oh là. Oh, il me brise les couilles. Eh merde. Oh putain, mais il redonne pas de la vie. Bitch. Toi, par terre. Allez, mes crèves. Ça va être encore une partie de rien du tout, ça va être génial. Bon, je m'étais déjà paumé là. Attends, je rêve ou... Non. Ça va, bombe. Je me demande pourquoi j'ai pas fait avec la main. Bitch. Bon, raté. Ah.
Ah, cette différence de hauteur, ça me trompe que je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Comment on monte là-haut? Est-ce que ce serait pas tout simplement... Non, enfin, ça m'étonnerait, moi. Bah déjà, c'est même pas la bonne. Ah, mais merde! Non mais... Putain mais tu vas bien... Oh non mais sérieusement... Comment on monte là-haut, bordel de merde. Sur la carte. Je sais même pas ce que c'est ça. On va repartir vers la limite si j'ai pas loupé un truc, mais... Ah, mais vous me faites chier avec les combats. Oh non mais sérieux. Tiens. Bon vous êtes... Bon, level up, c'est bien. Au moins je peux avoir un peu de ça, c'est déjà pas mal. Yeah. C'est pas le jeu ? À part là, des mini quelque chose par ici. Peut-être louper un truc, je sais pas. Non, y'a que là, des mini. Chose à faire avec cette pousse là. Ça sert à quoi, attends? C'est gavant. Merde. On aura perdu 5 pop PS, mais je m'en fous, je peux plus rester là. J'ai même pas où il faut aller. Ouais, ce décor. J'ai loupé un truc à cet endroit-là. Enfin, le tour en complet. C'était là, je me tire tout le bon. Putain, mais il y en a un deuxième! Ah, quand même! Bon, ben, il va falloir que je me fasse tout le tour. Ah, je vois sur mon visage. Enfin, si vous auriez pu voir mon visage.
tout, le chemin. On traverse toute la ville. Ville dont je n'ai toujours pas trouvé ses foutues minaries. Je sais toujours pas à quoi ça ressemble. Ah, t'as, j'ai pas vu. Bon, au moins on récupère des poids, c'est déjà pas mal. Tant que je fais pas ça, tout ça pour rien, moi ça me va. Y'a rien de pire que le rien absolu. Putain. Mais laissez-moi tranquille, pitié. Pitié, mais je vais faire un meurtre là. Mais fuis quoi! Je suis chié. Oh mon dieu, j'ai eu mal. J'ai perdu au moins. C'est pas trop quoi. Alors. J'ai mis de la menthe. Ah ouais, je suis désolé, mais vers le bas, il n'y a rien du tout. Putain, mais il y a des plateformes là-haut. What the fuck? Ah. Bon. Je veux pas dire, mais personnellement, ça m'avance guère. Monter là-haut. Ah, putain, il faut en tout. Non. Non. Sinon, vous aurez envie de créer des endroits complètement inaccessibles, parce que là... Attends, mais Luigi, il peut passer, quoi. Oui, Luigi peut passer. Là. Ok, j'ai fait tout ça pour un petit poids. J'ai fait tout ça pour un fucking petit poids. Il n'arrêtait pas de revenir, ça sert à rien. Bon, et ben vous savez quoi, je fais un petit ellipse parce que là, on tourne en rond, on fait rien et j'ai déjà cramé 25 minutes de vidéo. Donc je vais voir la soluce, je sais c'est pas bien mais... Force, faut arrêter. A tout de suite. Sérieusement. Non mais franchement, je crois que j'ai fait quelque chose d'énorme. Vous voyez là, c'est là où je suis bloqué. C'est tout con. Regardez, j'ai tourné en rond alors que c'était juste là. Putain les mecs. Oh non, mais faut que j'arrête là. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis mauvais, mais sérieusement. Mais comment je fais ça, moi? Pas lui. Bon, on va enfin avancer un peu. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On tourne en rond, là? Oui, on tourne en rond, oui, non mais complètement là. Bon, là, ça se garde. Quand même, ça se garde un petit peu. D'accord.
Ah bah allez, voilà. Il n'y a pas de quête. Super marteau. Je pense qu'il y aura des super marteaux pour casser les rochers noirs. Voilà. Voilà, moi je suis fixé. Curiosité. Bah, ça m'a l'air un petit peu. Non, ce n'était que dans les imaginations. Alors, testons voir ces nouveaux joujoux. C'est... Donc d'accord, il y aura bien un troisième type. Un Fwamp. Clank. Ah mais d'accord. Et j'ai payé. J'ai cramé tout mon argent pour ça. Merci les mecs. Oh putain, quel lose. Mais quel lose. Ah non mais niveau fail, je crois qu'on a dépassé l'épisode 5. C'est plus possible. Je sais qu'il était mauvais l'épisode 5. Non, non, non mais cherchez pas, hein. faut pas chercher, pourquoi? Bon, peut-être enfin avancer dans le scénario. Un désert. C'était pas censé être une vallée, j'imagine. Oulala, je le vois venir. Oulala. Oh non mais... Ouais, comme tout à l'heure, ça prend sûrement pas en être. C'est bien le moment de me le dire. Je vais regarder un petit peu la map. Oh, c'est sympa ça. Regarde un peu la gueule de ce truc. Un grand totem. Bon, ça va. Ah, Little Toad est visiblement là-bas. Ça, je sais pas, on dirait une arène Pokémon. Je sais, ça n'a aucun rapport, sûrement, mais. Et alors? Ah, il y a un tuyau là. Environ VGZ. Comment on y va dans ce tuyau? Bah oui, évidemment. T'aimes bien nous empêcher d'y aller. Ouais, alors, bim bim. Une petite sauvegarde, ça fait jamais de mal. Allez, ici, entrée.
Bon, alors on va aller chercher cette connasse. Bon, c'est des Goomba. Putain. Alors, comment ça s'appelle les trucs nus? Moomba. Bon. Pas leur faire énormément de dégâts. Ah. Alors ça c'est. Oups. C'est des cactus à tête de masques. De moi qui c'est pas tout à fait. Bon, c'est une plante techniquement, ouais. Bon, ça a l'air de morfler pas mal, mais ça a l'air d'avoir pas mal de vie. Putain, oh là. Et comment je pouvais savoir que ça faisait un rocket? Pourquoi ils s'attaquent tous à Luigi? Il a fait quoi le pauvre Luigi? Mais ils sont pas morts? Oh, j'ai pas confiance là-haut, je me donne un champignon, faut pas déconner. D'accord, bon, je comprends pas comment. Quel signe distinctif fait qu'il se tire en haut ou en bas? Mais bon. Allez, au revoir. Comment je sais s'il tire en haut en bas? S'il fait un rebond, je... C'est technique. Oh putain, 164, il donne pas mal d'XP ça en tout cas. Ouais. Câlin. Non, 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 mais reste là! Elle va se faire enlever par toutes les personnes qui passent? C'est une blague? On se fout de la gueule de qui là? Câlin. Bon, alors, non, non, non. Putain, mais... Vous allez revenir par le même chemin que vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais... Mais elle peut pas avancer correctement? Mais c'est quoi cette blonde? Attends, attends. Oh non, mais sérieusement. Ayez pitié de moi, quoi. Oh merde. Bon. C'est pas comme si c'était affreusement ridicule, mais... Alors, passe... Gna gna. En vrai, c'est le gourdasse, donc si je l'attaque pas. Bim! Allez! Plus je peux en attaquer aucun avec. Si, peut-être. Ah maintenant, j'aurai le super marteau, donc peut-être que ça fera plus de dégâts. Oh putain, balance des champignons!
Non, c'est pas une bonne idée vu qu'ils ont des pics sur la tête. Ouais, on va tenter ces nouveaux marteaux. Putain. Bon, c'était un peu de chance aussi, mais... Wow, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Je pense que je ferai ça. Bim, merci. Celui de Gif fait plus mal. Et pourquoi il a 15 milliards de vie alors que son collègue il en avait... Oh misère. Bon. Mais quoi? Il est pas mort? Ouais, reviens. Oh putain. Oh pitié. Non. Bon, on ouvre la porte, c'est du pas. Et on va arriver aux 35 minutes là. Attention, Blanda s'en approche. Blanda s'en approche, je répète. Bon, bah visiblement après qu'il les ait emmenés, bah il plus. Ah, il faut l'appuyer à chaque fois. Oh misère. Avance. Les mecs. Progression. Putain, il n'y a pas de sauvegarde avant là-bas. Ouais. Bon, on va s'en arrêter là. Je vais enchaîner avec la partie 15 tout de suite, histoire de voilà, de ne pas faire des vidéos de 15 ans. Donc cette vidéo, peut-être, bah, vous verrez bien si elle est postée le week-end du 20 ou le week-end du 27. De toute façon, la partie 15 arrivera forcément le 27. Enfin, oui, la semaine du 27. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous remercie et à la prochaine. Ciao.